La Cour fédérale de la Malaisie a confirmé un verdict de culpabilité à l'encontre du chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, dans une affaire de sodomie et a maintenu la peine de 5 ans imposée par un tribunal de première instance l'an dernier. Les 5 membres de la Cour fédérale ont confirmé un verdict de culpabilité émis par la Cour d'appel. Lors de l'appel, Anwar avait demandé à la Cour fédérale de mettre le jugement et la sentence de la Cour d'appel de côté. Le 7 mars 2014, la Cour d'appel avait condamné Anwar à une peine de 5 ans pour avoir sodomisé son assistant Maud Saiful Aulad Khujari, annulant ainsi l'acquittement de la Cour suprême de Kuala Lumpur du 9 janvier 2012. Selon la constitution malaisienne, le verdict de la Cour fédérale retirera le siège au Parlement du chef de l'opposition. Le Premier ministre malaisien Najib Razak a émis une déclaration sur ce verdict, appelant tous les partis à respecter la procédure juridique et le jugement de la Cour.